Et coucou tout le monde, c'est Léa et Antoine pour Hello Supérette. Cette semaine, on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente. On va tester un patron. Oui. Eh oui. C'est un format de vidéo qu'on voudrait amener un petit peu plus souvent sur la chaîne. Tester des patrons qui sont faciles et accessibles aux débutants. Et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On aimerait faire ça une fois par mois. Et bien sûr, à chaque fois, vous aurez une petite surprise. On tient d'abord à remercier Ornella qui a posé pour nous dans cette vidéo et qui a assuré de A à Z. Cette meuf est une bombe atomique et elle pose super bien. C'était super facile. En 40 minutes, c'était plié et on a trop kiffé. C'était super. On voulait aussi faire plein de bisous aux gens qui nous ont dit d'aller filmer à Darwin à Bordeaux. Parce que une fois on a demandé sur Instagram un endroit où tourner et plein de gens nous ont dit allez à Darwin et c'était super beau. C'est vrai, sans doute qu'on y retournera, il y a plein d'endroits super différents avec des ambiances super différentes. Donc là on a utilisé qu'une partie des endroits qu'on a vu à Darwin et du coup merci à tous ces gens là, on vous fait des gros bisous. Voilà, merci à ma petite mercerie qui nous a envoyé ce magnifique vinyle, le biais et les boutons qui nous ont permis de réaliser ce patron. Et merci à Claire de 36 bobines qui a été la première à nous contacter pour qu'on teste un de ses patrons. On a décidé de réaliser son patron en mode K-Way, donc il y a des choses qu'on n'a pas utilisées dans le livret et il y a des choses qu'on a rajoutées, mais on vous parle de ça dans la suite de la vidéo. Parlons d'abord du vinyle qu'on a utilisé pour réaliser cette vidéo. Donc ma petite mercerie nous avait envoyé deux échantillons de vinyle, donc un 10 centième et un 15 centième. On a dû se gourer au moment de la commande parce qu'on a choisi du 30 centième. C'est pas gouré à moitié. On s'est pas gouré à moitié parce que ce tissu est aussi épais qu'une nappe. Ça sert à recouvrir des livres. Mes mamans, vous reconnaîtrez ce tissu que vous avez probablement utilisé pour les cahiers de vos enfants. C'est la même chose à mon avis. Le 30 centième chez ma petite mercerie, il est trop épais. Si jamais vous voulez réaliser la même chose, ne prenez pas celui-là. 15 centièmes, 20 centièmes, le bon choix. Ça a été très dur à coudre, hein. Il m'a fallu les mains de Léa pour m'aider pendant certains passages assez techniques. Malgré le fait que ce soit épais, la Brother FS40, elle a complètement géré les épaisseurs, en sachant que là, par exemple, il y en a 4 épaisseurs, donc no stress. Voilà. On a réalisé ce patron dans un vinyle transparent pour faire une version K-Way transparent qu'on trouve super tendance, hein. Si vous faites un petit peu les magasins, vous en avez vu un petit peu partout. Mais sur le site internet de 36 bobines et également dans le livret du patron, on recommande de réaliser ce manteau dans un tissu maille, donc dans un jersey épais, quoi, pour soit faire une veste demi-saison, soit faire un manteau bien chaud pour l'hiver. Ça fait une demi-heure qu'on parle et on a toujours pas dit que le patron s'appelait Katniss. Si vous voulez voir des versions de Katniss en version maille, allez sur le site internet ou sur les réseaux sociaux, vous verrez, il y a plusieurs photos sympathiques. Donc le patron Katniss, qu'est-ce qu'il y a à en retenir? Pour moi, c'est un patron qui est super facile, genre pour un manteau, quoi. C'est un patron qui est vachement accessible aux débutants. Il y a vraiment, moi j'ai trouvé qu'il n'y avait rien de compliqué. Le seul truc un petit peu technique, c'est la parementure. Et enfin, il n'y a rien à calculer, hein. Vous la découpez, vous suivez le livret et vous l'assemblez, et il n'y a rien de compliqué, quoi. Enfin, pour moi, je crois pas qu'il y ait d'embûches au niveau des manches, et au niveau de la capuche, ça tombe nickel. Il y a zéro fronce, zéro pince, c'est que de l'assemblage pur et dur. Oui. Nous, on en a chié parce qu'on l'a fait dans un vinyle, mais si jamais vous le faites dans un tissu normal, il y aura zéro difficulté. Ça va glisser, quoi. Ça va glisser comme sur de la roulette. Rouler comme sur de la roulette. Bien sûr. Bien sûr. Pour résumer, pour un patron de manteau avec une capuche, c'est un truc super facile, on recommande carrément. Pour vous dire que c'était tellement facile, en fait je me suis même pas servi du livret. Les étapes d'assemblage, elles sont logiques pour moi. Tu commences par les poches, ensuite tu fais je m'en souviens plus. Tu commences par les poches, donc le haut et le bas ils sont en deux parties, donc tu assembles les hauts ensemble et ensuite le dos ensemble. Tu assembles au niveau des épaules, il me semble, ensuite tu assembles les manches, ensuite la capuche, tu fermes les côtés et tu fais les ourlets, emballer et c'est pesé, il me semble, dans cet ordre là. Donc je l'ai checké quand même pour voir si le livret était sympa. Elle détaille tout, tous les repères de ce patron ont un numéro et à chaque fois qu'elle parle d'assemblage, elle se réfère au numéro des repères pour que ce soit vachement facile pour les débutants. Pour moi, cette technique là, ça ne marche pas. Les numéros, tout ça, c'est trop abstrait, ça m'embrouille l'esprit. Je préfère qu'on me dise assembler la manche en faisant correspondre les deux crans avec les deux crans, plutôt qu'on me dise assembler la manche en faisant correspondre le repère H avec le repère H. Mais il y a des gens pour qui ça marche, pour moi ça marche pas, mais je suis sûr que pour des très débutants ça marchera. Le point noir de ce patron, hein, on va en parler de suite, c'est les marges de couture, elles ne sont pas incluses, donc il faut les reporter. Il y a des gens qui apparemment préfèrent quand les marges ne sont pas incluses. Qui sont ces gens? Pourquoi faites-vous ça? Pourquoi?
Donc voilà, moi je déteste quand les marges sont pas incluses. Si jamais vous kiffez, dites-le nous en commentaire. Donc voilà, ça rajoute une étape au moment de la découpe du patron. C'est pas la fin du monde, mais moi, j'ai pas kiffé du tout. Le vinyle est tellement épais que je suis sûr que ce manteau peut tenir à ma droite. Ça tient, c'est fabuleux. Comme c'est du vinyle et que c'est pas un tissu qui s'effiloche, forcément on n'avait pas besoin de poser de parmenture et en plus ça nous facilitait la tâche. Donc nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a posé du biais à chaque couture, hein, donc on l'a pas fait en deux étapes. À chaque fois qu'on posait le biais, on posait directement le biais en sandwich sur la valeur de couture et bim, on repassait dessus. Et du coup voilà, il n'y a pas de parmenture. Ce que je trouve super joli sur ce patron dans notre version KW transparent, c'est que je trouve que les lignes sont super jolies, ça donne un petit effet graphique et minimaliste avec la ligne qu'il y a au milieu et la forme des poches, je trouve qu'elles sont... ça a l'air d'être des maxi poches comme ça avec le petit arrondi. Moi je trouve ça super joli, donc je trouve que les lignes de ce patron se marient très bien avec notre version transparente. Voilà. Et la petite histoire rigolote aussi pour vous dire qu'on en a chié jusqu'au bout avec cette vidéo, c'est que on a du coup on avait commandé des pressions en plastique. On pensait que ça se mettrait avec un petit outil qui a fourni avec. En fait pas du tout, ça se met avec ce genre de pince qu'on a dû commander sur Amazon à la dernière minute. En fait on a reçu la pince et quand je l'ai testé, il n'y a pas du tout l'outil fourni avec la pince pour fixer ce genre de pression, donc ça n'a servi à rien du tout. Joie de vivre extrême. Je l'ai pas dit à Léa pour pas la faire baliser et j'ai collé les pressions à la colle chaude juste pour que ce soit visuellement cohérent pour la vidéo, mais en gros ces pressions ne se ferment pas. Voilà, c'est un manteau pour les robots. Donc maintenant on passe à la partie un petit peu plus rigolote, on va vous parler de la surprise. Donc la surprise, c'est un concours qu'on réalise donc en collab avec Ma Petite Mercerie et avec 36 Bobines. Donc 36 Bobines vous fait gagner un patron PDF de Katniss et Ma Petite Mercerie vous fait gagner 3 chèques cadeaux de 30€. Donc il y aura 3 gagnants. La première gagne le patron et le chèque cadeau de 30€. La deuxième gagne un chèque cadeau de 30€ et la troisième gagne un chèque cadeau de 30€. Donc pour participer, faudra se rendre sur Instagram, on vous fera une petite photo spéciale pour le concours. On vous entend déjà dire, mais moi j'ai pas Instagram, stop. Si vous n'avez pas Instagram, vous connaissez forcément quelqu'un qui a Instagram, vous lui demandez de participer pour vous à ce concours. Toutes les conditions générales du concours seront dans le post à ce sujet. Et pour conclure, on le répète, on pense que c'est un patron qui est vraiment parfait pour les débutants ou pour les gens qui sont à l'aise en couture et qui aiment bien les cousettes un petit peu chill, un petit peu tranquillante. Reposante et tranquille en même temps. Pour les cousettes un petit peu chill et un petit peu tranquille. Alors j'espère que ce format test de patron vous plaît. Si jamais vous avez des idées de patron que vous aimeriez qu'on teste, laissez-les nous en commentaire. Si vous avez kiffé, laissez un petit pouce bleu pour nous le montrer. Si jamais vous avez envie de venir papoter avec nous sur Instagram, n'hésitez pas à nous rejoindre aussi là-bas. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Si vous voulez revoir la vidéo de la semaine dernière, vous cliquez ici. Et moi et Léa, on vous fait des gros bisous et on vous dit bah à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ah oui, et aussi laissez-nous un petit commentaire pour nous dire si vous êtes team marge incluse ou team on s'emballe avec des marges. Bisous.